Pour nous, Bobo, Kourou, ça veut dire village, ça veut dire ville. Il faut qu'il y ait un fétiche où on doit chaque fois faire des adorations pour qu'ils apportent protection à l'ensemble des habitants de la cité. La surface est Il y a une sorte de barrière sur la surface pour que l'idée, c'est voir le développement de la ville, au fait. Par exemple, tu prends Bobo 2010. Les gens habitent là-bas, mais est-ce qu'il y a des espaces pour dire, ah, ici, on se rencontre pour faire les manifestations, pour faire... Tu vois, est-ce qu'on tient compte de tout ça avec l'évolution, la modernisation des choses? On a ciblé trois grands points, au fait. On commence par les anciens secteurs. C'est-à-dire en commençant par Dula Soba, qui est le vieux quartier. Quand on quitte Dula Soba, après on va venir à Koko. Donc après Koko, il y a la zone industrielle qui est là. Donc après, il y a Belleville qui est là, qui est un quartier qui est un peu récent en fait. C'est très nouveau. On va faire une mini-parade d'abord. On va faire juste un petit défilé pour vraiment attirer l'attention des gens. Voilà pourquoi on veut amener la chose vraiment vers la population, voir comment est-ce qu'ils vont réagir à tout ça. Je vais profiter vous dire quelque chose de la ville de Bobo-Dioulasso. Ceux qui ont été à la base de la création de cette ville-là, ils étaient visionnaires. Ils disent qu'elle va être leur ville et la ville cosmopolite. Tout le monde peut y venir. Et le compare à une vache laitière où chacun peut traire le lait. Mais l'affaire de tous doit être soigner, nourrir la vache laitière pour que chacun puisse en profiter. Ça veut dire qu'il faut te plier aux coutumes de la ville. C'est ce que ça veut dire. Bobo-Dioulasso, c'est une ville qui est fertile aux étrangers. Ça, depuis très petit, on nous dit ça. Voilà, c'est pourquoi la ville, elle est beaucoup large. Tout va bien. On mange bien, on dort bien. Tu sens que tout va bien? Ouais, tout va bien.
Ça va? Ouais, tout va bien. Ok, merci. Ça fait bizarre de parler devant la caméra. Docteur Zemu, Dula Sobaï, quartier Le Ewa, ou bien village Le Ewa? Dula Sobaï, quartier Le Ewa, village Le Ewa. Il y a un peu de bobo, il y a un peu de bobo, qui est un peu de bobo. Il y a un peu de bobo, il y a un peu de bobo, il y a un peu de kata ni ko ni dada wode buboy me buboy era to de ko sia ko korba tak akunun layiro mawo mina lonchugudi an kaloko levier nunu fana kan ka kudo famo kayira damasuma kan nanyini ka boyoro hanne tulo hanne yirilo ko konta fakalra fakala yirine ko kana abang baga doya na bulanda so yulo alela tore landa so na ke so ala ma filika ko pai kayi ya fa amwa ala ma filika ko kai kai an yar lube filitoro Thank you.
respirer avec la bouche. Un masque bobo, c'est un fantôme. Le mot masque n'existe pas en langue bobo. Le masque chez nous, c'est les fantômes de nos ancêtres qui sont déjà dans l'au-delà. Et il ne doit apparaître que lorsque un patriarche meurt et que son âme doit rejoindre l'au-delà. C'est un peu comme la sortie du monde des vivants vers le monde des morts. Mais tout ça, ça commençait à disparaître. En fait, l'Afrique est en train de disparaître. Quand la ville grandit et atteint le Kourou perd ses valeurs, ses qualités. Et quand viendra la cité, on va lotir tous les alentours du village. L'environnement sera détruit et tout ce qui fait du Kourou un Kourou va s'engloutir dans la modernité. Ça veut dire que beaucoup de choses vont disparaître. Yeah.
Africa, voilà et je t'adore. Toloni elle est libre de Yannisibia. Africa, voilà et je t'adore.